This is this lovely day to be carved in the rain. Yes, just si je veux vous proposer mes services sans risquer. Sidibil Hallou, aujourd'hui vous présentez une pièce de théâtre, mais la particularité c'est qu'elle est en langue française. Pourquoi vous avez adopté ce style ? D'abord, je tiens à dire que je suis peut-être le premier, sinon parmi les premiers, à avoir permis aux Marocains amoureux du théâtre en langue française de se mettre à jouer en langue française. Et je suis le premier à avoir introduit le théâtre en langue française fait par des Marocains dans les instituts, à l'époque, les centres culturels français. Pourquoi ? Nous avons une langue qui est la langue arabe. C'est une très très belle langue, il n'y a rien à dire. Théâtralement, c'est pas qu'elle soit barbante, pas du tout, mais théâtralement, elle ne peut pas passer. Pourquoi elle ne peut pas passer ? Parce que les gens ne sont pas habitués à écouter un texte moderne dans la langue arabe. J'ai joué en langue arabe. Sophia Hadi, qui joue La Chute, a joué pendant 2 heures en langue arabe classique. Elle qui n'a jamais fait la langue arabe, puisqu'elle a étudié à Descartes. Je reviens à une chose. Nous avons au Maroc une société, une fraction de société, qui a étudié en langue française. Et à partir du moment qu'elle a étudié en langue française, elle a découvert le théâtre grâce, effectivement, à l'enseignement qui était donné en français. Où moi, par exemple, j'ai découvert le théâtre à l'âge de 15 ans, le théâtre français. J'ai vu la Comédie française quand j'avais 15 ans, j'étais au lycée Moulay Idriss. Et j'ai eu la folie, le déclic. Ce qui fait que, lorsque nous jouons en langue française, nous avons un public marocain francophone et bien entendu nos amis français qui habitent le Maroc, qui viennent. Et quand on joue en arabe, que ce soit l'arabe classique ou l'arabe dialectal, hélas, le public ne vient pas. En ce qui concerne nos pièces, attention, nos pièces à nous, mais le public il va. Moi j'ai vu le théâtre Mohamed V, ce théâtre-là, plein à craquer par un public jeune, mais étonnamment jeune, c'est-à-dire entre 16 ans, 20 ans, 20, etc., qui paye jusqu'à 400 dirhams pour venir voir des bêtises, pour venir voir, je m'excuse d'expression, de la connerie. Nous, on présente quelque chose de très haut, évidemment, Camus. Donc c'est un théâtre de l'élite. C'est un travail pour l'élite, mais en même temps, c'est un travail qui dit au peuple, venez, venez, montez plus haut, donnez-vous de l'importance, venez découvrir ce qui est beau. Je ne vais pas vers la masse. Je tire la masse vers le haut. Un petit mot sur la pièce en elle-même, c'est-à-dire quelle est la leçon à prendre de cette pièce ? Ben, je pense que les gens qui connaissent Camus, Albert Camus, prix Nobel de littérature, etc., en somme, ce texte de Camus, c'est presque un récit, comme un roman. Et c'est Sophia Hadi qui l'a adapté et qui l'a joué. La pièce a été créée le 1er avril 2013 et Sophia, ce soir-là, a joué pendant 2h30. Et le public a été très, 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 très satisfait par ce... Et maintenant, elle fait presque 2h moins 10. Et elle joue le personnage d'un avocat qui s'appelle Jean-Baptiste Clamence, qui tombe en déséétude. Il a traversé la vie. Mais à chaque fois, il dit, moi, je suis honnête. J'ai refusé la Légion d'honneur. Sophia, oui. Vous allez interpréter un rôle important aujourd'hui dans cette pièce de théâtre. Pouvez-vous nous expliquer davantage ce rôle ? C'est un personnage assez complexe. Déjà, c'est une femme qui joue un rôle, un personnage d'homme, donc un avocat, qui est en complète introspection et qui va, pendant 2 heures, se raconter sa vie, ce qui l'a mené à cet Amsterdam qu'on découvre sur scène. Et voilà, je ne peux pas en dire plus maintenant. Vous avez travaillé beaucoup de temps sur ce rôle ou... Déjà, il faut dire que ça fait 6 ans que je joue ce texte. Évidemment, ça n'est pas en continu. Mais en amont, avant effectivement la première, qui a eu lieu le 1er et 2 avril
2013. Effectivement, j'avais travaillé quelques mois déjà sur l'adaptation du texte et ensuite sur l'interprétation avec Nabil par rapport au personnage à créer, etc. Donc ça fait pas mal de temps. Musée de Vitry, votre hôtel est sur l'une d'elles, le Tamarac.